Bonjour à tous, c'est Furissam. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour la nouvelle, un nouveau véhicule qui est sorti. Donc, c'est la Sister Crawler. Je l'avais commandé, donc il est arrivé, c'est celle-là. Comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous faire le voir. Non, c'est pas là. À chaque fois, je me trompe. Donc, vous allez sur Internet, vous allez dans Legendary Motorsport. Et voilà, c'est là. Une sportive, il me semble. Donc voilà, et ils se sont inspirés d'une Porsche 718 Cayman, donc comme vous pouvez le voir. Donc là on va aller la customiser, et elle coûte, si vous faites un prix spécial de 1 220 000, et si vous l'achetez sans prix spécial c'est 1 627 000. Donc on va la customiser ensemble, hop. Déjà, on va voir l'intérieur. Voyez l'intérieur. C'est pas mal. Avec comme le petit logo Porsche. Alors, on va aller customiser au LS. Allez. Elle roule pas mal quand même. Elle est un peu rapide. Ouf. Du coup. Hop là, on y arrive. Et enfin, c'est là. Hop là. On va rentrer dedans. Donc désolé, je vais répondre aux messages qu'on m'a envoyés sur YouTube. J'ai pas eu le temps en ce moment. Donc mais je vais vous répondre et je vais refaire des vidéos parce que là ça s'arrête. J'ai fait une vidéo jusqu'à demain. Après il faudra que je refasse parce que sinon ça va pas le faire. Alors du coup, on va modifier le véhicule. Voilà, vous voyez, c'est une sportive. Alors, blindage, comme d'habitude, on le met à fond. Les freins, voilà, pare-choc avant. Ah, comme ça, elle est pas mal. Pare-choc endurance, elle est vraiment pas mal. Pare-choc arrière, vis, et ah oui, d'accord, c'est ça. Ok. Je vais prendre celui-là. Avec les deux ventilations de chaque côté. Alors, je vais faire bien sûr les peintures. Couleur principale, métallisée, rouge Torino. Voilà. Et couleur secondaire, métallisée, jaune racing. J'étais un peu pardon. Jaune racine. Voilà. Donc, couleur finition. On va le mettre en jaune racine, pareil. Voilà. Couleur détail, on va le mettre en rouge Torino. Comme d'habitude, on va dire. Ouf, j'étais un peu trop loin. On va bien sûr mettre l'emblème du crew. On montre des choses. Allez, c'est parti. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai fait le pare-choc. Les moteurs. Ah, c'est derrière. D'accord. Normalement, je vais mettre le dernier. C'est celui-là. Hop. Réglage du moteur. On le met à fond. Voilà. L'échappement. Donc, échappement de. Là, c'est en carbone, en titane, ovale. Ah oui. En 8. Chaîne x2. On va mettre en alu. Allez.
On est fou. À l'avant. Ah oui, c'est sur le côté là. Prise d'air haute. On va le mettre en carbone. Capot. Attache capot. On va le mettre doré. Capot. Alors. Non. Ah, pas mal comme ça. Avec le petit truc au milieu là. Non, ça c'est trop. Comme ça. Ou alors. Comme ça. Allez, prise de course. On va mettre celui-là. Donc là c'est bon. Klaxon, on s'en fiche. Habitacle. Donc le table bord, on va faire comme d'habitude. En carbone. Le cadran, on va le mettre comme d'habitude, on va tout mettre. Les portières. En carbone. Siège. Baquet. Comme ça. Voilà. Le volant. Ben, comme d'habitude, on va le mettre rallye. Pro, bien sûr. Arceau de sécurité, on va mettre le complet. Donc voilà, éclairage, phare, on va mettre jaune, des phares jaunes. Voilà, kit néon. Donc là, on va mettre complet, on va couleur, le crew. Voilà, ça c'est bon. Aileron, c'est où ça? C'est là, d'accord. Ok. Il n'y a que des couleurs 1. Non, ça c'est trop. Bec de canard. On va mettre celui-là. Motif. Faites voir les motifs qu'il y a. Ça, il aurait été pas mal comme ça là. Bon, allez, hop. Prévention sans survie. Rétroviseur. Bon, on va les laisser comme son, comme stèle. Ça, on met comme ça. Peinture, on vient de le faire. Séparateur arrière. Ah, ça en bas, d'accord. Ok. Comme ça, je préfère. On va mettre comme ça. Accessoire de toit. Logiquement, barre lumineuse. Ah ouais. Après, j'irai voir dans la boutique. Je vais voir maintenant. Ah, c'est comme ça, ok. Je vais rien mettre hein, sur l'accessoire du toit. Back case. Ça, c'est pareil que le tout à l'heure. Comme ça. Comme ça suit la lignée de l'arrière. Voilà. Séparateur. Là c'est devant, donc pareil ça va être avec la lignée de devant derrière endurance. Non je vais prendre celui-là. Course jetée. Aileron. Non là je vais pas en mettre, ça va faire abuser. Pare-soleil. En plastique. En couleur 2. Suspension, on la baisse à fond. Phare arrière. Ah, on va mettre jaune. Attends, phare arrière. Transmission. On le met à fond. Turbo, on le met. Aération, c'est où ça? Ah oui, c'est sur les côtés, d'accord. Latéral carbone. Ah oui, c'est ça que ça change. Incurvé carbone. Allez, on va mettre celui-là. Les roues. Les pneus. Amélioration des pneus. À l'épreuve des balles. Fumée des pneus. On va mettre jaune du coup, puisque il n'y a pas beaucoup de jaune par rapport d'habitude. Ah ouais, les phares ils éclairent bien jaune, hein. La vache.
Les pneus, donc ça c'est bon, vitre, limousine. Voilà, fais voir les phares. Ils sont où les phares? Ils sont où les phares? Ma messe. Phare arrière. La caisse. Plaque, rétro, prévention, motif, aileron, éclairage. Là. Voilà. Phare. Tu vois? Ah oui. Ah oui. Ça change. Donc voilà. Donc on a fini, on a fait le tour. Donc on confirme. Là on va faire un petit tour. On va voir. Déjà. Alors, on va quitter le salon. On va se mettre sur l'autre côté. Ah oui. Ah oui. On va de l'intérieur. Vous voyez, on va essayer d'aller au max. Waouh! Ah oui, pas mal. Ah, franchement, elle est pas mal. Elle va vite quand même. C'est déjà pas mal. Donc là, on va la rentrer. On va aller vendre une autre véhicule parce que on en a pas besoin de ce gros véhicule là. Je sais pas pourquoi je l'ai d'ailleurs. Celui-là, là. Ah si, c'est un que. Faudra que je le mette autre part, celui-là. C'est le. Je vais le mettre autre part. Hop, je vais le mettre dans un autre garage. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mon nouveau véhicule. Donc on va le voir de plus près. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Donc là, c'est vrai que j'ai pas pu répondre là, puisque j'ai été un peu fatigué, je travaille de bonne heure. Donc, mais là, je vais m'y remettre, je vais répondre à toutes vos questions. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. À laisser un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. À partager et à commenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!